sur ce très beau panorama. On est reparti. Oh, attendez, j'ai pas testé, la manette est bleue du coup quand on met les pouvoirs de l'eau, bien entendu. Rouge en feu. Et une espèce de violet pour la magie de Frey, c'est logique. Très bien. On vient du coup de battre Prav, qui était l'attentat de l'eau, hein, tout simplement. On a récupéré ce pouvoir juste ici. Alors, oui, c'est celle-ci, c'est bon. Avec notamment un poison ici, une tornade qui nous protège ici. Pas mal de choses qui contrôlent finalement. Des flèches, ces trucs. Et la possibilité de surfer sur l'eau. Insane. Je viens de faire mon meilleur screen sur le jeu grâce à ça. On voit que la manette est bientôt déchargée, mais j'en ai une autre qui est prête. Donc tout va bien. Magnifique. On est reparti du coup pour la ville pour voir ce qu'ils en pensent. Let's go, let's go. Hop. C'est loin au final. Dites voir. Et je vais pouvoir aussi rendre les photos aux enfants, puisque j'ai atteint les 20 photos qu'ils voulaient. Et si je suis bien la fille d'une tanta, comment je vais pouvoir l'annoncer? Je te suggère de ne pas le faire. Le peuple est devenu hostile aux tanta. Découvrir que tu fais partie de la famille ne les réjouirait guère. Ouais, on peut pas dire qu'elle sème la joie et la bonne humeur là où elle passe, hein? Tôt ou tard, tu devras prendre une décision importante, tu sais. Tu veux dire décider de tuer ma mère ou pas, c'est ça? Le moment venu, quel que soit ton choix, je serai là, avec toi, pour faire ce qui doit l'être. Pour l'instant, allons voir si notre cher vieux Bob peut nous apporter quelques réponses. Du coup, je vais quand même aller rendre le truc, le détour des photos, juste à... Donc c'est juste là. À faire. On est encore assez loin, non? Pas tant que ça. Hop! Ah bah ouais, dis donc. Oh, c'est toi! Tu nous as apporté plein d'images! Tout à fait. Bien sûr! Regardez. Oh, c'est incroyable! Ce bord qui fait. Ça ressemble à ça à l'extérieur! Je vais en voir d'autres! Allez, s'il te plaît! Ok, ok, j'ai compris. Je vous en rapporterai d'autres. Ah, ils en ont jamais assez, hein! J'ai quand même fait 20 déjà! Du coup, on a eu le filtre sépia, rétro, un nouveau cadre. Et maintenant, il en faut 30. Ah, rien que ça! Est-ce que j'ai d'autres trucs? Non, ça c'est normal. Ok. Du coup, faut que j'aille voir Bob à l'endroit d'avant. Ah non, c'est juste là. Bob, qu'elle appelle alors qu'il s'appelle Robiane. Ouais, let's go. Il parle anglais derrière. Ah. Hey, mon vieux. Comment ça va? Tip top, jeune Frey. Tip top. Accrochez-vous. J'ai vraiment besoin de vous dans cette lutte. Ce combat, c'est le tien maintenant. Mais... Je sais.
Tu veux retourner chez toi, mon enfant, hein? Whoosh. Pas seulement Whoosh. J'ai tellement de questions. Je le vois. Tu sembles avoir déjà retrouvé ton chez-toi. Non? Vous saviez? Je n'en étais pas encore sûr. Tes yeux. Les autres derrière, en mode, quelle tristesse. Attends, c'était le chapitre ? Ouch. Je crois bien. Et oui. Merde! Bobby était ma dernière chance de quitter cet endroit, et me voilà coincée dans ce délire! Navré que la mort de mon père t'ait causé autant de tort. Non, c'était pas ce que je voulais dire. Non? J'ai perdu le père que je venais tout juste de retrouver. Avec qui j'aurais aimé passer plus de temps. Tout ce qui me restait, c'était lui. Je suis désolée que pour toi, ce soit si dur. Non, je n'ai... Tu n'as pas quoi? Réfléchis? Non, tout ce qui t'intéresse, c'est toi-même. Elle se rebelle, hein? Ça, c'est... Mon peuple a perdu... tant de choses. Il n'a aucun moyen de quitter ce délire. C'est ici qu'il vit, que moi, je vis. Mais je ne voudrais pas... que notre souffrance et que notre future destruction t'empêchent de pleurer sur ton sort. Ah, ok, je trouve ça pas juste. Juste ? Parlons de justice, si tu veux. Ce qui est injuste, c'est que la seule et unique personne capable de nous aider est trop égocentrique pour le faire. J'ai quand même versé mon sang pour vous. Mon peuple t'a accueilli. Ils étaient effrayés. Et à juste titre. Mais ils t'ont quand même accueilli. Pour les aider, merde! Et en quoi c'est un mal? Personne ne vit sans les autres. Tout le monde s'entraide sans se plaindre, c'est comme ça, Atia. Mais je n'aurais sans doute pas dû m'attendre à ce que tu comprennes ça. Après tout, tu n'es pas des nôtres. Non. Non, tu sais quoi? T'as raison. J'ai pas grandi ici. J'ai pas eu toute une communauté pour me soutenir. J'ai pas pu aller prendre des verres avec mes amis au bar. Pas pu jouer avec d'autres gosses. Pas pu me promener dans de beaux paysages. Je n'ai pas eu de mère ou de père qui m'ont voulu. Ou qui m'ont aimé. Alors non. Je me fous de ce qui peut arriver à Atia. Qu'il soit sauvé ou qu'il brûle. J'en ai rien à foutre, parce que cet endroit, c'est pas chez moi. Va-t'en. Va-t'en. Avec un immense plaisir. C'est chaud. Elle n'a pas tort. Bah oui, oui. Bon, elle, l'héroïne et tout, mais bon. Voilà, quoi.
Je vais juste un truc, parce que j'avais branché la manette pendant... Ah, c'est cool, on est remonté à 2 barres. Je me suis dit, je branche la manette pour la cinématique. J'aurais pu y aller moins fort avec elle. Ne t'en mêle pas. Son père vient de... Oui, je suis au courant. Il faut que tu te ressaisisses. Me dis pas ce que je dois faire. J'en ai marre de me casser le cul pour tous les autres. Il est beau, je pourrais peut-être faire ce que je veux, pour une fois. Toi aussi, tu es Datia. Tu devrais vouloir la même chose qu'eux. Sûrement pas. J'ai beau être née ici, je suis une New-Yorkaise pur jus du con. Et y a que chez soi qu'on est bien. Pas question de lâcher l'affaire. Je vais trouver le moyen de partir. Il y a forcément quelque chose dans les archives. Frey, s'il te plaît, si on pouvait juste prendre un moment. Plus de moments. Et je veux plus t'entendre. Ça croit, ce sera facile pour rattraper le passage parce que c'est vraiment le tout début de l'épisode 10 du coup. Donc t'as juste à noter épisode 10. Et en vrai, ça fera genre c'est les 5 premières minutes que t'as raté. Donc tu pourras facilement rattraper. Dès que je l'aurai mis en ligne. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais qu'est-ce qui lui prend, sérieux? Ah oui, c'était le truc pour l'apaiser, ça. Qu'est-ce qui lui prend, sérieux, elle a dit? Elle vient de perdre son père. Enfin, de toute façon, elle a toujours été comme ça. Qu'est-ce qui lui prend? Et pourtant, tu lui fais un cadeau. J'ai pas à me justifier auprès de toi. Qu'est-ce qui nous casse les bonbons, là, Oden? En vrai, hein? C'était si violent. Franchement, elle a des problèmes, hein. Vraiment, pas sympa la meuf, quoi. 144, il faut, on a dit. Comment pas. Ah, j'ai plein de petits chats partout, regardez, fais ses griffes. C'est bien fait, en vrai. Est-ce qu'avec le mode photo, je pourrais essayer de faire un truc, genre où je zoome sur le petit chat, oui. Oui, on peut. Bien sûr qu'on peut. Et du coup, les cadres... C'est quoi le nouveau cadre qu'on a eu? C'est lui. Ok. Oh, il y en a un autre là. Lequel team? Vas-y, saute. Oui. Elle est trop bien cette photo. C'est oui. Ça c'est fait. Alors j'imagine qu'on va avoir plein de quêtes annexes disponibles là. Oh, la lumière. Laissez-moi tranquille. Ça va? T'as le temps pour un petit verre? Il y a toujours un truc indiqué derrière, mais pourtant je peux pas y aller. C'est bizarre un peu. C'est mon jour de... Je passe, hein, parce que... Ouais, là, derrière lui. J'arrive pas à croire que ta taverne tourne toujours. La ville survivrait pas sans. Ouais, je comprends, mais... Écoute, c'est simple. Personne sait quand il va mourir, pas vrai? Et qu'est-ce qui te permet de tenir dans un monde où c'est comme ça? Crois-moi, tu t'adresses à la mauvaise personne. L'espoir, voilà tout. L'espoir ou une bonne bière. Bon, un remède miracle, ça marche aussi. En tout cas, au moins quelque chose qui laisse entrevoir des lendemains meilleurs, quoi. Robian, Oden, nous tous, c'est tout ce qu'on veut.
T'as remarqué, hein? Ouais, elle a pas le même goût que d'habitude. En fait, je suis à court d'épices d'avoilette. Donc j'ai agrémenté avec une petite note visorienne. C'est pas aussi fin que d'habitude, mais ça permet de continuer à faire tourner la boutique. Il a fabriqué de l'accro. C'est vraiment pire que d'habitude? Comment veux-tu que je le sache? Je ne suis pas une experte. Les jours où tu te délectais de la bonne cuvée sont-ils si loin? Je me remets pas d'avoir perdu Robiane. Si on est en vie aujourd'hui, c'est uniquement grâce à lui. Il a toujours œuvré pour le peuple d'Achia, jusqu'à la toute fin. Ce sera quoi? La transition. Celui-là, j'ai jamais fait. Je te sers ça. Je suis pas experte, mais je sais ce que j'aime. Et ça, j'aime beaucoup. C'est dommage, sa cape, elle tremblote. Il n'y a pas encore eu d'effet comme ça jusque-là. Bon, bah merci bien pour la boisson. Et on va voir ce qu'il y a sur place. Alors, on en a un là. Bon, sur la place, quoi, j'ai pas besoin de le noter quand même. Ça, on connaissait les photographes. On en a un là aussi. C'est parti. Sois prudente là-dehors. T'inquiète, Popite. Je me demande si j'ai des pièces anciennes. On va vite être fixé, on dirait. C'est encore le petit chat. Je savais que tu serais là. Une pépite. Merci, petit chat. Ah. Il ne s'enfuit pas pour une fois. Il a beau rester ici, c'est pas ça qui fera revenir Olivia. Elle va peut-être l'adopter. Moi aussi j'aimerais la revoir, crois-moi. Mais... désolée. Frey. Ça va? Cette pauvre créature essayait simplement de... Je m'en fous. C'est plus mon problème. Plus rien de ce qui se passe ici ne l'est. T'as compris? Putain, je réponds juste un truc. Tac. Je fais attention à ce que je dis, ça court alors. Notre chat. Ah. Tu ne lui fais plus peur. Je m'en fous. On y va. Ah bah. Pauvre bête. Il doit y avoir des infos sur les Torana dans les archives. Je dois juste les trouver. J'ai pas besoin de grand chose. Il me faut juste un indice. Quelque chose qui m'indique où chercher. C'est ça, style. Exactement. Tu as affronté Prav pour nous sauver. C'est déjà fantastique. Ce qui est arrivé à Robiane est terrible. Mais c'est pas ta faute. Merci, Pilo. Oh, Pilo, c'est un bon parti, hein. Il est gentil. Ah, je vais partir de mon côté, c'était de l'autre côté en fait là. Qu'est-ce que je fais là? Si, c'est là à droite. Ça va le faire. Tu ne vas pas voir ton petit compagnon? Je suis pas d'humeur. Oh. Oh, elle est colère hein. Elle est colère. C'est tout là-haut. Ah, vous êtes prêts? C'est relou, ça.
Je le fais parfaitement. Ah, j'ai cru que c'était fini. Hello. Que viens-tu faire là? Le vieux fou est enfin mort. Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est pas très gentil. Pourquoi vous le haïssiez autant? Notre peuple souffrait, et lui restait obsédé par ses recherches. Il nous a abandonnés. Oui, mais pour trouver un moyen de vous aider. Et il a réussi. Il a eu tort? Quel est donc l'intérêt d'agir de la sorte si les gens continuent de mourir? C'était vain, comment peux-tu ne pas le voir? Mais il n'était pas le seul responsable. Notre propre Tanta n'était pas mieux. Elle a même fait pire. La corruption progressait et qu'a-t-elle fait? Elle s'est envolée. Exactement. Nous avons été abandonnés. Celle-là même qui était chargée de protéger Junoon nous a laissé pourrir. Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai que faire de ta pitié. Hors de ma vue, je ne supporte plus de te voir. On ne peut pas dire qu'il soit très heureux. Ça doit être dur de se voir abandonné par sa tanta. Alors en vrai, depuis tout ce temps, j'avais pas réfléchi, mais je peux me TP pour... Je suis pas obligée de descendre la tour comme une fofolle là, en fait. Ah non, je peux pas, j'ai un nœud. Attendez, je réessaye. Ah si, en fait, je peux pas. Ce terme que je viens d'utiliser comme une fofolle, n'importe quoi. On est foufou ici ou pas? Est-ce qu'on est foufou? C'était vraiment ça. J'assume pas là. On est foufou ou pas? Est-ce qu'on a faim dans son bidon? Aïe 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 quoi. Ça me pensait à une époque, je m'étais occupée d'enfants du coup, genre plus dans les âges de 8-9 ans. Et à force de m'occuper des enfants, quand j'arrivais à la maison, j'avais des réflexions que je faisais aux enfants et je les faisais spontanément. Genre typiquement le « s'il te plaît, merci », enfin mais « s'il te plaît, merci ». Comme ça, des trucs un peu un peu en mode prof, quoi. Et à un moment, je suis « oula, ça suffit ». Ah, c'est une bonne idée, style. Allons voir l'archiviste, du coup. Mais je me dis pareil, genre j'ai jamais été confrontée à ça, mais les gens qui ont des enfants petits, en bas âge, ça doit forcément, à un moment, ils doivent être en mode un peu... T'as mal au bidon? Donnez-moi tous vos livres sur les Torana. Tu as toujours envie de partir, je vois. Oui, on ne veut pas de moi ici. Oden a été très claire. Ouais, ma chère mère a été très claire quand elle m'a... Quand elle t'a... Quand elle m'a banni d'Atia. Ouais. Votre bien-aimée Tanta de l'amour et ma douce et tendre mère. Celle qui m'a balancée par un Torana à la première occasion. Pas étonnant. Quoi? Excusez-moi? Je suis en train de vous dire que je suis la fille d'une Tanta et vous me regardez comme si j'étais en train de faire la météo? Tu n'as clairement aucune estime pour tes origines. Mais moi je devrais en avoir. Je te ferai remarquer que je suis ici pour tenter d'empêcher à tout prix un cataclysme. Si tu n'es pas là pour m'aider, alors bon débarras. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Les gens se soucient des autres uniquement quand ils veulent quelque chose, c'est ça? Être né d'une Tanta est un honneur, pas une charge. Si tu es incapable de comprendre ça, il y a plein de beaux ouvrages qui seront bien utiles à ton enseignement. Tu auras plein de temps pour les lire quand nous serons tous tués. Le plan de la culpabilité, ça marche pas. J'en ai marre d'aider un monde qui veut pas de moi.
Alors, je l'avais bien dit. Si tu es venu me voir pour trouver le moyen de retourner chez toi, toutes les réponses ont disparu avec Robian. Il ne reste qu'une seule femme au monde qui pourrait peut-être avoir ce que tu veux. Tu dois aller poser toutes les questions à ta mère. Junoun est par là-bas. Mais que les Tanta te bénissent. L'ambiance est électrique, hein. Vous avez remarqué ? Ça va pas tous les jours, là, hein. Terrible. Direction Junoun ? Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Joedi avait raison. Cinta doit connaître les Torana. Je l'obligerai à me renvoyer à New York, ou alors l'une de nous deux tuera l'autre. Quoi qu'il arrive, cette putain de saga sera finie. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Si nous allions d'abord rendre visite à Tanta Olas à Visoria, si nous mettons à terme à sa folie, son pouvoir nous rendra plus forts avant d'aller affronter ta mère. On n'est pas en démocratie. Ta voix compte pas. Tu aimes lire, on dirait. Je vois une tante. Tu aimes lire ? Alors comme ça, on aime lire ? Attirer vers vous des ennemis éloignés. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça. Bah go. Battez les ennemis vulnérables à la magie d'ici là. Bah dis donc, c'est qu'on va plus avoir de quoi faire des défis là. Alors je pourrais prendre un défi de là, mais bon. Est-ce que vraiment... Après, on peut prendre ça, ça. Voyons ce que ça donne. Vu que j'attendais d'avoir un peu plus de magie. Est-ce qu'il nous reste des quêtes annexes sur place? Je vais reparler à l'autre quand même, à tout hasard. Y a pas de petit chat? Ça a l'air good, hein. Ça a l'air bon. Oh! Attendez, il y a des bouquins? Non, ça. Mais... mes souvenirs de Visoria sont flous. Ah! Et tu ferais bien de prendre ça. Ah bah. Comment elle me juge? Mais fort, hein. Mais elle est pas méchante. Les effets de la magie violette. Qu'est-ce que c'est? Oden m'a chargé de le faire. Elle voulait s'assurer que tu sois bien protégé. Vraiment? Oui. Maintenant va-t'en. T'es pas obligé de me tourner le dos, hein. Oh. C'est quoi ça? Bon allez, let's go. Je peux pas me TP, j'imagine. Ouais, je peux pas me TP quand je suis à un piège, je pense. N'empêche que chapitre 10 sur 13, hein. Dites voir. Je vais essayer de pas m'égarer du chemin. J'ai bien dit essayer. Ne vous méprenez pas. Quand même faire quelques défis dans l'histoire. Ah, je suis la vilaine Tanta Cinta. J'ai plus d'un tour dans mon sac. La tueuse de Tanta. La sauveuse d'Atia. La tueuse de Tanta. Avez-vous trompé? Ah non. La sauveuse d'Atia. Tu sais que c'est mal de mentir aux enfants. Tu leur dois des excuses. Je les ajoute à ma liste. Elle a l'air déjà longue. On va vérifier parce que bon. Ah bah tiens! J'avais dit qu'il fallait vérifier. L'autre elle a un nouveau truc à me dire. À l'aide. Je vais refaire aussi le truc qui bug là, là-haut. Ah, j'ai vu quelqu'un qui avait parlé du platine sur Twitter. Et il avait débloqué tous les sorts. Mais il en manquait un sur son platine, et en fait c'est buggé pour l'instant. Du coup je crois qu'on peut pas avoir le platine pour l'instant. Ils l'ont peut-être corrigé depuis, hein. J'avais vu ça il y a... un jour. Comme ça. Oh là là! C'est parti pour prier pour Robian!
Merveilleux. Vous saviez que j'étais la fille de Cynthia. Mais vous pensiez quand même que je pourrais sauver cet endroit. Pourquoi? J'aimerais tellement pouvoir vous demander... Merci beaucoup à... du coup, à Sakura. C'est normal. Luto Bacho. Merci beaucoup. On peut pas revenir en arrière, mais... J'aurais aimé te parler encore une dernière fois. Merci énormément. On se tient. C'est gentil. C'est très gentil. Est-ce que ça va valider du coup? Peut-être va y avoir un autre mort. Hein. Si le point d'interrogation reste, ça veut dire qu'il y aura un autre mort. Voilà, voilà. J'espère que non. Il faut briser la chaîne de l'infinie tristesse. Ah bah, il y a que loin de temps. Que la Tanta vous bénisse. J'arrive. Pas très rapide ici. Les citoyens viennent rendre hommage à Tanta Prabh, celle-là même que tu as éliminée. Ah, désolé. Laquelle de nos chères souveraines comptes-tu assassiner maintenant? Les deux. Olas? Cynthia? Ça ne me concerne plus. Je pars, et pour de bon cette fois. Tu n'es pas concernée? Tu as tué ma souveraine. Écoutez, je... Prends cela. Elle a un panneau solaire en... en collier, c'est pratique. C'est très pratique. Pourquoi elle m'a donné une tapisserie? Le pouvoir n'appartient qu'à ceux qui sont prêts à accomplir leur devoir. Tanta Silla m'a dit ces mots en me donnant cela. Vous essayez de me dire quelque chose? Ton devoir n'est pas encore accompli. Cela te poursuivra où que tu ailles. Tu ferais bien de ne pas l'oublier. La noble conseillère semble nourrir quelques griefs à ton encontre. Mais pas suffisamment au point de ne pas t'accorder de... T'as toujours pas compris? Toute cette merde n'a plus rien à voir avec moi. Tu l'as peut-être déjà mentionné, je m'excuse alors. Mais elle est vilaine, non? Hop là, bon, ça c'est good. Oups là. Oups là, oups là. Paf, paf. C'est là. Vamos. Je pensais pouvoir le saisir au passage, mais... Ah bon? Quoi? Vraiment? Toujours rien sur le petit chat. Tu ne lui fais plus peur. Je m'en fous. On y va. Celui-là non plus. Il semblerait que le petit chat c'est fini. Hein. Je préfère revérifier plusieurs fois. Yop, psychoquac. On n'est jamais trop prudent. Je pense que ma manette est full chargée là. Attendez, je l'enlève pour voir. Ouais. Nice. Faut me remettre droite. Le câble était un peu court. Je n'ai aucun moyen de te convaincre d'aller d'abord affronter Tanta Olas. J'ai dit non. Affronter ta mère sera difficile, Frey, bien plus que tu ne l'imagines. Tu devrais te préparer au mieux. Le pouvoir d'Olas... Olas, c'est leur problème, pas le mien. Pigé ? Tiens, hein ? Ça va te calmer. Ah.
Homer. Si tu savais comme je suis contente de te voir. Bah alors ça, si je m'attendais à ça. Elle aime vraiment ça. Super, le nouveau sort aujourd'hui. Je me l'achèterai en rentrant. Pour le Prime, il faut le refaire à la main. C'est justement le principe un peu du Prime, c'est pour être sûr que tu puisses facilement switch. Ah, mon super kiff. Comme d'hab, je passerai ma vie à vous regarder. N'est-ce pas, Otak ? Pas mal mon appart, là. Pour la cuisine, j'aurais fait un peu différemment, mais... Ah, puis là, il manque... C'est bizarre, ici, en vrai. C'est pas défini, là. J'arrête pas de me demander comment Alice pouvait être aussi sûre qu'elle avait rêvé. Et si c'était le pays des merveilles qui était réel ? Ouais, les primes, ça, c'est comme un abonnement classique pour le streamer. Tout à fait. Putain, je suis pas allée au sport. Tant pis, j'irai demain. Allô ? Hey ! Salut ! Waouh, on dirait que t'es sortie tard hier. Waouh, non, j'ai juste super mal dormi, j'ai fait un rêve, mais super bizarre. Hey, regarde où tu vas! Désolée, tu disais quoi? Non, t'inquiète, j'en sais rien, je pourrais même pas te l'expliquer, même si je le voulais. Mais ça va? Ouais. On déjeune ensemble? Je vais aller à Hell's Kitchen pour un entretien. Oh, cool, chez qui? Cipal, c'est une start-up. Ouais, c'est drôle, ça me dit quelque chose. Ouais, ils recherchent un graphiste, alors. Ils m'ont appelé ce matin. Alors, on déjeune ? Ah, désolé, c'est pas possible. J'ai rendez-vous à la tienne dans une heure. Bon, bah, appelle-moi quand tu sors, d'accord ? Ok, ça marche. Bonne chance. Merci. Je croise les doigts pour son entretien. Allez, c'est parti. Non, je pense que... C'est le brouillard qui a fait ça, ça quoi. Yo, Sati! C'est un chien? C'est un petit chien. Salut, Frey! Merci d'avoir réparé l'interrupteur l'autre fois. De rien, c'était pas grand-chose. Je t'apporterai du strudel quand tu rentreras. C'est la moindre des choses. Ah, merci. Je t'apporterai du strudel quand tu rentreras. Où vas-tu, petite? Je sors pour prendre un café. Très bien. Amuse-toi donc. Toi aussi. Très bien. Amuse-toi donc. Alors là, attends, pas ce passage. Un kniche, s'il vous plaît. Ah, c'est ce fameux beignet de patates dont tu allais parler au début. Hier, un bretzel. Aujourd'hui, un kniche. C'est vraiment gentil, ma petite. C'est pas grand-chose. Elle ressemble à l'archiviste. Il y a les méchants à gauche, là. Qu'est-ce que vous mijotez ? Hein ? Oh, merde, c'est frais. Il serait peut-être temps d'arrêter les conneries.
Vous croyez pas? On causera plus de problèmes. C'est promis. Fais chier. On se casse, Chrissy. Faites gaffe à vous. Totalement style. Je pense qu'elle est en train de rêver. Qu'est-ce que serait sa vie? Si Vrai? Ça allait, quoi. Je suis super contente de te croiser. Hey, dis-moi, t'accepterais quelques heures sup? Les gosses au foyer se sont attachés à toi. Waouh, d'accord, ouais, c'est des gentils gamins. Génial, c'est vraiment sympa. T'es un bon exemple pour eux. Bon, je dois y aller. Bellette et Jenesh ont fait des bêtises hier soir. Merde, rien de grave? Espérons qu'on m'en confie la garde. À ce moment-là, tu pourras leur parler. Bellette et Jenesh, c'est les noms des... Merci, Fred. Je t'envoie un mail avec tes horaires. Bien sûr. Bellette et Jenesh, c'est les noms des conseillers? Ah, zut, je suis à la bourre. Faut que je me manie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils avancent ce beau temps toute la... Je vais marcher au lieu de prendre le métro aujourd'hui. Pourvu que papa et maman soient à l'heure. Hein? C'est étrange, tu m'étonnes. Je peux aller là? Je peux aller là, ouais. Ah, c'est le temps idéal pour une balade au parc. C'est quoi, ce? Mais tu vois qu'il y avait une map? Il n'y a pas de map. Je pense pas que ça compte. Hein? C'est pas le bon chemin. Ouais. Ouais, non, la vie qu'elle rêverait d'avoir. Je pense que... C'est problématique. Ok, là, faut que je dorme. J'ai des visions ou quoi? Par quoi on y va? Là, ce serait... Comment il s'appelle? Spider-Man. Je suis désolée, je suis un peu en retard. Salut ma belle. Ah, c'est incroyable ce temps, hein. On s'assied en terrasse en plein hiver. Réchauffement climatique. Allons, on ne sauvera pas le monde aujourd'hui. Essayons d'apprécier ce moment, d'être bien ensemble. C'est censé être sa mère. Et aussi, c'est presque ton anniversaire. C'est sa mère qui lui fait des illusions. J'espère du coup. J'espère que ça te plaira. Merci. J'adore nos déjeuners entre filles. Bonjour, bienvenue à la tienne. Je crains qu'ici, le café ne soit pas authentique et plein d'arômes artificiels. Oh. Wow, on dirait presque que vous voulez nous chasser, hein? Oui, la propriétaire est redoutable. Sauvez-vous vite. Ah, pardon, excusez-nous. Les apparences sont trompeuses. Réveille-toi, Fred, avant qu'il soit trop tard. Mais comment est-il parvenu à se faire embaucher? Ils choisissent mal leur employé. Je ne lui ai jamais donné mon nom. Attends. Il y a un truc qui cloche. Ce... Toi, tu m'as laissé. Tu m'as abandonné. Je n'avais pas le choix. Tu dois comprendre ce sacrifice. Sacrifice ? J'étais qu'un bébé. J'ai dû me débrouiller toute seule, t'as pas idée de tout ce que j'ai pu endurer. J'ai aucune pitié pour une mère qui se débarrasse de son enfant comme on se débarrasse d'un déchet. C'est moi ici la victime. Nous sommes tous des victimes. On nous a privés d'une vie, ensemble, où tu aurais appris à te préoccuper des autres. C'est dingue. Tu sais, j'ai appris un truc dans la vie. Moi d'abord, et les autres ensuite. Ça... une illusion. Il n'existe qu'une seule personne capable de créer une fausse réalité. J'ai pas raison, Olas? Ok. Arrêtez de m'enfumer et laissez-moi sortir. C'est impossible, tu le sais. C'est votre création. Alors je le répète, arrêtez de m'enfumer et laissez-moi sortir de ce putain d'endroit. Jamais je n'accepterai la défaite vécue par mes sœurs. Frère, enfin! Mais bordel, où t'étais passé? Je t'expliquerai plus tard. Trouvons d'abord le moyen de sortir du cauchemar de cette folle.
Elle est partie? Non, je perçois encore sa présence. Simplement, on ne la voit pas. Sois prudente. Je vais essayer de sortir de cet endroit merdique. Ok. C'est quoi cette lampe? Ouais, mais du coup, si je veux faire mes succès. Alors, c'est quoi le succès qui me reste? J'ai oublié. Les succès, je parle de ça. Hein. L1, R1, carré, ok. Et là, juste buter des gens avec ça. On va essayer. C'est censé être flot incessant d'ennemis, vas-y. On dirait que la lampe invoque des monstres sortis de l'espace. Merde, on va se dépêcher de la casser. Ah. L1, R1, carré. Ok. Détruis la lanterne, ou il en arrivera toujours. Tant mieux s'il en arrive toujours, c'est ce que j'ai besoin. C'est du pain béni, comme on dit. Hey. Génial. J'ai l'impression d'avoir les trucs de Kratos. Oublie les pantins. Vise la lampe. Je vais dire, mais non, mais arrête. Ouais. Je crois que les tuer ne mènent à rien. Je crois que les tuer ne nous mène à rien. Ah. Oublie les pantins. Vise la lampe. Détruis la lanterne. Ou il en arrivera toujours. Après, je vais utiliser ma Ludo. Ce sera pas mal. C'est juste d'avoir envie d'avoir une monstre qui parle, c'est vrai. Pourquoi pas? J'attends d'avoir attrapé 20. Hein. Donc, à ah, ça compte plus. Mais j'ai pas fini pourtant. Il y a de l'arnaque là. Ah. Détruis la lanterne, ou il en arrivera toujours. Faut qu'il soit loin, on dirait. Ouais. Je crois qu'on peut gagner si je fais ça. Oh là là. Merveilleux. Okay. 17. C'est écrit des ennemis éloignés. Ah j'avoue, j'avais oublié cette précision. Je te vois. On va voir le 20ème. Kratos serait fier de moi. Et maintenant... Alors, c'est pas ça. Du coup, c'est quoi le défi de l'autre? Alors, déjà, on va valider lui. Hop. Le glisser tranché. Qui était pas mal, hein. Oh ouais. Tac. Ah. Ok.
attendez. D'abord, c'est un mouvement. Détruis la lanterne, ou il en arrivera toujours. Mon pauvre, essaye de m'expliquer. Alors que moi, j'essaie juste de charger mon pauvre. Ah, ça marche encore mieux si je fais un double comme ça. C'est tout bon. Débloquer le sort que je voulais. Enfin, le sort. Je vais compter. C'est pas vraiment un sort. Hop! Ils ont disparu quand j'ai cassé le. Cet objet amplifiait sans doute la puissance de l'illusion. Bon, montre-moi où est la sortie. Que je quitte cette illusion. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Ce monde est celui d'Olas. C'est elle qui s'y arrête. Continue d'avancer. Nous aviserons au fur et à mesure. Nous sommes reçus. Ça veut dire qu'on va enchaîner la troisième tenta directement. La barrière est tombée. Elle devait certainement être liée à la lampe. C'est le jeu, mais direct avec le feu. C'était donc toi qui m'envoyais tous ces messages bizarres. Hein? Oh oh. Merde! Comment on sort d'ici? Détruis la lampe, cela réduira l'influence d'Olas. Ok. Oh. Oh. Ils sont tellement nombreux. Tout est trop long, on va l'affronter. Ouais. Ah, ok. Fallait.
Le feu c'est vraiment le plus fort. Moi je dis ça mais j'ai pas beaucoup utilisé l'eau donc. Tout est fort en fait. C'est un peu ça. Pour déchirer en termes comme ça, je vais garder. Okay. Fait sur cette lampe. Je ne sais pas comment ça marche, mais je crois que les monstres la prendraient. Il faut d'abord se débarrasser d'eux. Ok. C'est le moment. La lanterne n'est plus protégée. Voilà. Quelque chose cloche. Arrête de lui faire mal, Fred. On les vient ? Non. C'est pas possible, c'est pas réel. Pourquoi tu m'as pas sauvé? Non, j'ai essayé, mais... Ressaisis-toi, Fred. Olivia est morte. C'est vrai comme femme. Encore une barrière? On dirait l'œuvre de l'art. Il bouge plutôt vite que l'art. Ouais, je vous rappelle, moi je joue à domicile. C'est nous qui avons l'avantage. Ok. Observe-les. Tu dois battre ceux qui sont liés à la lampe. Ouais. Vulnérable à l'eau. Mange. Tant qu'ils sont tous là, ça ne sert à rien d'attaquer la lanterne. Eh ben, je sais. Merci. Déjà vu, en quelque sorte. Sauf que cette fois, je peux me défendre. Lui a l'air plus fort que les autres. Montrons-lui qu'il ne faut pas venir nous chercher. Exactement ce que je pensais. Bien lancé. Ouais. T'inquiète, t'inquiète. Pourquoi tu fais ça? Arrête ça! Par pitié! Olas, retourne ta culpabilité contre toi. Ne la laisse pas entrer dans ta tête. Ah, c'est pas fini. J'avais eu la magie à l'époque. Tu es nostalgique.
Pas vraiment. Je réfléchissais, c'est tout. C'est bon d'avoir du recul. Tu veux pas rester avec moi? S'il te plaît, frère! Olas, vous mourrez pas avec vos conneries. Faites-moi sortir de là! Allez, vas-y, saute. Ce serait tellement mieux. N'est-ce pas ce que tu penses? Je ne le vois que trop clairement dans ton esprit. Tu ne trouves pas ta place dans ce monde. Ta vie n'a pas de sens. Et à qui manquerais-tu? Qui s'en soucie que tu vives ou meurs? Moi. Pas très gentil. Ils te laisseront tomber. Ça finit toujours comme ça. D'ailleurs, tu les as abandonnés? Toi aussi? Uden? Joedi? Les habitants de Sipal? Et Homer? Peut-être mieux vaut mourir ici? Maintenant? Personne n'aura jamais besoin de le savoir. N'écoute pas, Frey. Ça compte pour moi. Je suis avec toi. Non. Non. C'est encore une de vos manipulations. N'est-ce pas, Olas? C'est quoi le problème? Vous avez la trouille de m'affronter? Merde. Olas essaie de t'empêcher de partir. Si tu meurs, tu resteras piégé ici pour toujours. Génial. Dis-moi, si jamais elle essaie encore de m'embrouiller... Je serai là pour te prévenir. Ne te fais pas. Tu as assassiné Scylla et Bra. Et pourtant, je n'ai pas l'intention de te tuer. Je veux juste que tu dors. Ouais. Arrière! Frey, tout va bien? Super, en mode invisible. Je m'en serais bien passé. Cesse de plaindre, ou tu ne l'entendras jamais arriver. La vérité est à double tranchant. Arrange-toi pour ne jamais te retrouver acculé. Qu'est-ce que cela t'apporterait de sauver Atia? Les autres, ils se servent de toi pour arriver à leur fin. Attention! À droite! Tu ne peux pas voir, on t'a mis des œillères. Vous mourrez pas avec vos conneries! Derrière toi! Non, il est pas derrière moi. Ouais. Les infos de mytho, là! Il était pas du tout derrière moi! Tu n'es pas à même d'échapper à cette réalité. Je suis à... Je le vois que tu es lasse et tu portes un fardeau. Devant toi! Laisse! Derrière toi! Il était face à moi, le truc! Mon fidèle acolyte! Ah, vous éprouvez des choses alors! Je pensais que sa mort nous délivrerait de l'illusion. Mais rien n'a changé. Attends, t'es en train de dire qu'on est coincé là? Laisse-moi. Hein? Je ne vois rien d'autre que du désespoir qui t'attend. Mais putain, ce machin est censé être mort? Non! J'entends plus rien non plus! Vraiment? Et maintenant?
Krav, tu m'entends? Oui, moi je t'entends parfaitement. Oh, c'est bon, j'entends à nouveau. Quand ce rêve s'effondrera, tu seras enseveli avec. Il a l'air encore plus puissant. Sois vigilant. Prêt? Tu es avec moi? Et c'est reparti! Je sais pas si on peut attaquer ce truc. C'était ça qu'il fallait faire. C'est bien ce que je pensais. Je vois plus rien! Calme-toi, c'est forcément passager. Alors, toi à nouveau? Ouais. Encore le champ de force, frère! J'ai remarqué. Je m'éloigne, c'est ça? Parfaitement. Surveille le sol. Ok. Ma magie est bizarre. Essaie un autre sort. C'est bon pour ma magie. Ravi de l'entendre. Puis-je te suggérer de l'utiliser? Élimine-en quelques-uns pour commencer. Oh, putain. Prêt, accroche-toi. J'abandonnerai pas. Oh, je peux pas. Un autre sort là-bas. Il faut que tu esquives au bon moment. Oui, mais tu te cours maintenant. C'est re le backseat au Logan. Et te relève pas. C'est mieux comme ça. Oh, ça fait mal. Ah, putain, je suis encore aveugle. Fie-toi à ce que tu entends. Tu me prends pour qui? Une chauve-souris? J'avais pu me sauver. Oula. On va peut-être avoir le focus avec ça. Oh. Tu n'as rien? Putain, c'était quoi tout ça? Tanta Olas a eu recours à ses dons pour entrer dans ta psyché. Elle a exploité tes désirs les plus secrets. Mais c'est fini. T'es bien sûr? Oui, tu es dans la réalité. Ok, et elle est où cette réalité exactement? Oh, c'est joli, non? Eh bien, à Visoria, à première vue. Le royaume d'Olas. Et c'est son château? J'imagine, oui. Alors, que fait-on? On va se la faire. Bon appétit, style by the way. On va se la faire.
Chapitre 11. On va continuer. Ouah, c'est beau là. Enfin, c'est différent surtout. Hey, attendez, Krav. Elle va nous parler. Cet endroit ressemble à rien, non? Le royaume tout entier est normalement sous l'emprise d'Olas. Pourquoi faire un effort de décoration quand elle peut lui donner l'apparence qu'elle veut? Ouais, je sais pas ce qu'elle va nous sortir cette fois, mais ça m'empêchera pas de la buter. C'est bizarre. Parfois, Tanta Olas semblait presque... je sais pas... sensée, lucide. Ça m'étonnerait. La corruption ronge l'esprit des Tanta depuis de nombreuses années. Mais tout ce truc à propos des sacrifices et des victimes, tu crois qu'il y a un peu de vrai dans tout ça? Elle est malade. Elle ne faisait que jouer avec tes émotions. Elle aurait dit n'importe quoi pour maintenir son emprise. Peut-être. Alors, il se passe quoi après? Alors, si je tue toutes les Tanta, c'est quoi la suite? Alors, tu mets un terme à leur règne. Tu gagnes. Ok, super. Mais il se passe quoi? Pour Atia, je veux dire. Pourquoi demandes-tu? Ben, regarde autour de toi. C'est la merde ici. C'est joli, hein? Ce sera pas... pouf, tout va mieux. La brume ne disparaît pas quand les Tanta meurent. Elle arrête juste d'empirer. Ouais, je pense que je l'ai pas, là. Ah, waouh, voler à l'autre bout de la terre. Ok. Ok. Après, on va y aller assez rapidement, je pense. Qu'y a-t-il? Tu es encore désorienté par cette illusion? Non. Oh, une autre photo. Ben, t'avais raison. On a bien fait de faire ça avant d'aller voir si... celle-là sera bien. Du coup, je sais pas s'il y a une autre magie ou pas, ça croit. En vrai, je me demande s'il n'y en a pas juste 3. Ça me paraît très logique. Parce que c'est sûr que la maman, elle va pas en donner. Je pense que ce sera la fin. Sympa. Acceptable. C'est incroyable à chaque fois. Alors, par contre, tac, je vais mettre là. On va juste faire une mini pause. Enfin! Oui, voilà qui arrive effectivement à point nommé. Mais on est grave loin sur la map, non? Attendez. Du coup, le château. Château. Et là? Et nous, on est. Wow. On est par là, quoi. Enfin, c'est notre objectif, en tout cas. Ok, on n'est pas loin de l'objectif en soi. Alors, écoute, on a pas mal de choses qui explicitent tout ça, Seraph. Mais pour l'instant, non, pas trop, quoi. Je vais bouquiner. Pour l'instant, on a quand même pas beaucoup plus de... des détails. Un choix de mission. Je vais prendre la magie qui permet de... Ah non, mince, c'est vrai qu'elle est là, mais qu'il faut la trouver, cette magie. Est-ce qu'elle est loin de là où on est? Peut-être qu'enfin... Ouais, non, pas du tout. Waouh, c'est à l'autre bout de la terre. Intéressant. D'accord. Et j'ai combien de points? Parce qu'à la rigueur, sinon, je finis de compléter... cet arbre-là, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Hop, le défi. J'ai du temps à tuer. On va continuer quand même l'arbre de feu. Tant qu'à faire. Battez des ennemis 0 sur 5, facile.
Guérissez-vous des effets de réduction d'attaque ou de défense, bon courage. On va le garder en loose. Hein. Ah bah on a plus assez de place, comme ça. C'est nous fait. Nous allons travailler ce sort. Augmenter la quantité magie d'une cape de 50 ou je plus. Fabriquer je l'ai pas fait. Vraiment. Quasiment, mais pas assez. 46. Mais ça, c'est pas la cape. Calmons-nous. Non, je suis à 40. C'est pas assez. C'est l'histoire. Ah, mais je vois que 40, c'est mon max sur... Ah, c'est parce qu'après, il faut les autres trucs. En faire. Bon, au moins, on se lève, hein. Ça, c'est fait. Hop, 40 partout. Voilà. L'air de rien, ça va faire le café, hein, je pense. Ok. C'est pas mal, cette histoire. Il nous fera plus, mais... C'est quoi la ressource qu'il faut, du coup? Truc grand tester, machin. Je pense que c'est des trucs qu'on va récolter ici. Clairement. Je regretterais presque ce manque d'animation, pas toi? Je t'assure, t'es une animation à toi tout seul. C'est vraiment stylé, hein, comme zone. Tac! Et du coup, bah non, on va se rendre directement ici, hein. Pour le coup, je vais pas m'embêter avec le labyrinthe, je pense que je vais avancer. On le gardera pour quand on fera d'autres défis. Parfait. Du coup, je fais juste une petite pause. Et on enchaîne ça. C'est reparti, du coup. Bon, on va vite. Hein. Le rush, ça y est. Je vous fais la version speedrun. Bonjour monsieur. Encore loin. Une photo. Impossible. Ah mince. Je l'ai coupé. Mais bon. Ah, il y en avait une là aussi, une photo. Vas-y, go les deux photos. Les deux photos, une tout ça, une tout lui. C'est quand même les photos, quoi. Savoir ce que Olaf te réserve. Reste sur tes gardes. Ah, il y a la petite église à droite aussi. Go l'église. T'inquiète pas, il est hors de question que je me fasse piéger par une autre illusion. Je sonnerai l'alarme si j'ai le moindre doute. Merci, ça me serait bien utile. Il y a plein de grands hasters là, je me rends compte. C'est ça qu'il nous faut.
les fleurs qu'il me faut. Ah, c'est pas celle-ci. Mais celle d'avant, c'était les bonnes. Hyper vitesse. Du coup là j'ai le co-op encore plus. En fait je sais pas si c'est possible pour... Putain, je revérifie du coup. Ah si c'est bon. J'en ai pile le nombre qu'il faut. Terminé. Pile poil. Quelque chose t'intrigue ? Rien de tel qu'un bon entraînement. Allez, je m'en vais. Ça que je veux faire. Hop. Let's go. J'ai un défi avec... C'est beau là, quand on sort en fait, quand c'est pas trop sombre, c'est pas mal. C'est quoi ce mur? Ok, il faut juste que j'en aie vulnérable. D'accord. Ok. Go les deux photos. Décor là. Ouais. On pourrait faire une belle image pour les enfants. Je pense par rapport au désert un peu qu'on a vu. Faut que j'arrive à monter. Génial. Oh. Allez, je fais une photo. Ah, c'est zoomé qu'il fallait ? Pardon. C'est fait. Ça fera l'affaire. Alors, je rate le bonus. C'est bizarre ici. Est-ce qu'il serait sensible à ma magie, machin truc là? Attends, c'est où? Ok. Ouais. Méfie-toi. Non, ils sont pas. Résistance. Nul. On aime beaucoup moins. Résistance. Eh ben laissez-moi tranquille alors, si c'est résistance. Oh.
Oh. Mais je suis en train de prendre du poison là. Qu'est-ce que... Ça marche pas. Ah, du coup, je vais prendre ça. La dingue. Comment empoisonner ? Attendez, je me perds dans mes propres suggestions. Hein. Résistant, de toute façon, eux aussi. Allez. Ouais, le seul truc que je peux faire, c'est ça. Oh, sérieux? Ok. Dans le mille. Ils nous servent à rien, les... les trucs de feu, ils ont servi à rien. J'ai fait. Allez, fais-le ça. Allez. Butez-le. Ok. Mais il est même pas marqué en vulnérable en fait. Hein. Okay. Voilà. Bon. Avec un joli cadrage. Des milliards de photos. C'est fait. Ça fera l'affaire. Ah. Là. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut accueillie par une vision incroyable. Un vrai lit. Il y a plein de petits chats, ils ont bien dit. Il n'y a pas de monstre ici, hein? Tu avais envie d'un peu d'exercice? C'est très mal me connaître. Oh. Ouais. Ha. Pile où il fallait. Oh. Ouais. Ouais. Ok. Non, c'est pas le bon truc que j'ai mis. Bon, c'est pas grave. L'intention y était. Du coup, il va y avoir une bagarre, là. Une grosse bagarre, je crois. Non, je me sens prête. Je pense qu'on n'a pas besoin de up les traits. On est bien. Une autre porte. Sans doute, avec un autre comité d'accueil qui se cache derrière. Reste concentré. Putain, c'est bon. Seulement ça avait permis de faire le... Ah, je peux peut-être... Ah, mon dieu.
Ça aurait été pas mal de mettre les soldats de feu là sur les. Bordel. Tout à fait. Tout à fait. Sur eux. Hop. Ouais. Allez-y, tapez-les. Allez. Allez. Il faut qu'il tue des gens, hein. Sinon, on va rien se passer de... d'intéressant. Terrible. Ça, c'est pas très gentil. Ouais, je fais un petit test quand même, de vulnérabilité, mais pas de raison. Ouais, non, pas vulnérable. Pas vulnérable, hein. Les gens, pas vulnérable. Je crois que les tuer ne nous mène à rien. Et je vais ouvrir ma gueule. Je gère. Hey. C'est beau ce que j'ai fait. Tu peux en parler? C'est très très beau. Allez, on y va. Quelle détermination féroce. Dernière minute, trois dernières minutes, je vais mettre trois, je recouperai. Non, parce que c'était vachement bien. Ok, et maintenant laisse-moi tranquille, c'est bon. Okay. La fin là, j'étais pas mal. Imamoum, paf paf paf, dès que j'ai commencé le Goliath. Là. Oh waouh! J'aurais dû mettre ça en miniature. C'est terrible. J'étais obligée de refaire un mode photo. Mais je partage trop de photos. Mais j'y peux rien. Non, en vrai, là, on peut pas reculer. Donc c'est nul. C'est bien de laisser un peu de mystère aussi. En vrai. Donc un petit mode photo à droite. Sérieux? Qui construit un château tout au fond d'un trou? Très juste. Il n'y en a pas deux comme ça. Voilà, 4500 XP d'un coup là. Je pourrais peut-être. Alors hop. Bon, dommage pour balise là qu'on n'a pas. Ah si ouais, j'ai cru que je pouvais pas le faire. Pendant un instant, j'ai cru que non. Là par contre, j'ai pas assez. Okay.
Ben, ces trucs-là, on est mal barrés hein, pour les poser ici pour un moment. Splendide. Quant à moi, j'ai hâte de me reposer. Te reposer de quoi? Toujours dans le jugement. T'en es où l'appareil photo? C'est à deux pas. Dommage. Voilà. Oh là. Ouais. Pardon. Et voilà. Attends, c'est quoi avec R2? Ah non, c'était mon phare, ok. Je me demandais en vrai. Ralentis ça, monsieur! Ça arrive! Aïe! C'est vraiment pas très gentil. Bon angle. Le châtal. Putain, les gamins, je les régale en vrai. Vous vous rendez compte, je leur envoie des photos de partout. Même s'ils étaient sortis, ils n'auraient pas vu tout ça. Sympa. Acceptable. Il y a un jeu de partage juste là. Let's go. Ouais. Je suis à fond. Dans un coin perdu? Alors, frère, tu te sens vaine aujourd'hui? Toujours. Et ça? Ça donne quoi? Hé! Autant les gens qui voulaient pas voir du Forspoken sur ma chaîne YouTube, ils doivent être saoulés. Autant ceux qui voulaient voir, ils ont quoi faire. Hein. Ah! Ben, du coup, j'ai vu qu'il y avait un petit chemin là. Par le chemin. Il m'a l'air sympathique. Oh, attends. On doit convaincre de nous laisser passer. Non, il y avait un truc à récupérer. Non. Putain. Ah, encore.
mais j'arriverai jamais à bout de ce truc. Oh, mais c'est encore les autres là. Ouais, je sais comment ça marche. Merci beaucoup. Comment elles prennent cher. Oh, génial. Le comité d'accueil. C'est amusant jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Ça va jouer entre toi et moi. Oh, c'est marrant, ça l'a pas touché. Vite, ils vont bientôt revenir. Ça y est, on va. Vas-y. Posez. Oh, ça fait mal. Donne une piste maintenant. Le démarrage du jeu, tac. Le démarrage du jeu. Bon, c'était pas très amusant. Peut-être, mais la voix est libre. Oui, c'est parti. Hop, vous pouvez regarder la vidéo première heure de jeu, là, juste là, le lien. Et vous comprendrez très vite. Ce qui cristallise on est encore tous les assez reproches loin, faits sur le jeu. Pas tant que ça. Je crois que nous y sommes presque. Merci qui ? Totalement, j'étais pas sûre de faire le let's play au complet. J'en étais sûre après 5 heures de jeu. En gros. Le décor, je l'aime bien, moi. Mais bon, après, ça, c'est clairement une question de... Genre, je peux pas dire que ça plaira à tout le monde, quoi. Mais les décors me plaisent bien. Moi. Pour le coup, c'est vraiment pas un reproche, je les trouve très beaux, les décors. Oh. Qu'est-ce qui t'arrivera quand ce sera terminé? Ah, nous aussi attache. Juste une bibliothèque normale. Ce qui n'a rien de surprenant chez la tante. Et là, paf, le boss d'Elden Ring. Dommage qu'on soit pas copines. Je passerai bien un peu de temps ici, moi. Avec les petites qui chantent là au sol. Il n'y a pas de danger immédiat, on dirait. Il faut espérer que ça dure. Et j'ai pas de connaissances à récupérer dans la zone, ça c'est étonnant. Quand même. Mais ouais, j'avais dit ça, j'avais dit que... Il fallait s'attendre à ce que je puisse éventuellement ne pas terminer. Bon. Ça a bien changé, hein. Ça devait être une de leurs dernières lignes de défense. Ça ressemblait à ça, si pâle avant. Ça ressemble un peu comme c'est maintenant. Il y a des armes en plus. Oh, attendez, ils sont vulnérables. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il m'en faut d'autres. Oui. Génial! Reviens. Comme quoi tout arrive. Oh.
Non, ne casse pas. Vise la lampe. Je suis trop bête. Ils auraient pu respawn, j'aurais pu finir mon défi. Non. En fait, là où je suis allée, il n'y avait pas de... De toute façon, il n'y a pas d'autre truc. Oh, c'est dommage. C'est si dommage. Bon, j'espère qu'il y en aura d'autres au-dessus. Cette fois-ci, je l'ai fait... Résistant. Ouais. Ok. Allez, viens l'achever. Vas-y, tu le finis. J'ai confiance en toi. Oh là là. Vas-y, finis-le. C'est le moment. Ouh. La lanterne n'est plus protégée. Yop, Guetta. Alors, en fait, j'ai compris. Mais ça a changé de nom en fait en cours de route au fait Throne of Liberty, non? Parce que bah, je le connais ce MMO au final, mais il a changé de nom. Et t'as vu, on en parlait hier et ils ont annoncé qu'ils feraient une bêta en Corée le 21-22 février, un truc comme ça. Trop drôle pile au moment où on en parle. Très bientôt. J'aurais pas du tout aimé vivre. Il me semble que dissuader les criminels. Je vais redescendre, il manque un coffre. But recherché. Genre vraiment, ça me trigger. On redescend. Ouais, je crois que c'est pour ça, parce que je me dis c'est bizarre. On pourrait peut-être en tirer quelque chose? Oui, encore faudrait-il trouver quelqu'un de passionné qui collectionnerait les œuvres d'art ainsi pâles. Oh bah j'avais raté ça aussi, quoi. Oh là là. Calmons-nous. Arrête. Non, il y a un coffre là-bas. Restons prudents. Comment on chope ce coffre? On croit que c'est un coffre d'or. Table de fabrication, c'est là. Ah non, j'ai cru. Je n'aurais pas ces coffres. Tant pis. Un DLC de quoi? Du jeu? Je crois pas qu'il y ait des DLC. En vrai, ça me fait rire parce que j'étais en train d'imaginer le jeu à 80 balles et il te rajoute des DLC à 25. Ce serait du génie. Regarde le deluxe.
Tu parles du jeu là, celui-ci? Je crois pas qu'il y ait des DLC prévus. Hein. En vrai, j'en sais rien. Donc, sur Steam. Attends, vas-y, je regarde son intrigue. Voilà, ah, pardon, j'ai posé la manette. Très dangereux. Steam. Ok. Attendez. Le festival de la construction de base sur Steam, lol. On connaît ça. Forspoken. Ah ouais. La préquelle téléchargeable Forspoken Nintendo Power with Rust, été 2023. J'ai rien dit. Mais c'est cet été du coup. Il y aura un truc qui se passe avant. Cet été. Bah comme quoi. J'en rigolais, mais... J'aurais pas dû rire. Alors en gros, à Visoria, il y avait que des champs. C'est ça. Une oui, ferme, mais pas de champs. L'arrivée de la brume a dû moins affecter le paysage que dans les autres royaumes. Ok. Et notre lampe? Et elle est belle. Je suppose que quel que soit l'univers de la vie, elle affecte tout le monde. Ouais, ce qui explique le leader. Alors, Grégo et lui sont. Bah, j'aimerais bien que les. Les gardiens, ils vivent des trucs. Ce serait pas mal. J'ai l'impression que ça fait pas partie de leur capacité. Hein. Faudra qu'on fasse ça sur des mobs plus petits en fait. Ils servent à rien les gardiens. Pire truc. Hein. Regarde-les. Ils essayent. Hein. Ils donnent tout ce qu'ils ont là. Ah. Allez! Comme ça. Oh, deux! Bien joué! Allez, faites-lui là. Trois! Amazing, j'ai été méchant en plus. Ok. Ouais. Vite, ils vont bientôt revenir. J'ai mis le truc défensif dans la lanterne. Nous devons la trouver avant qu'elle reprenne. Fallait lui faire du dégât en continu. Bah, c'est bon. Je pense qu'on est pas mal en dégâts continu. C'est juste, ça m'étonnait qu'ils mettent en DLC vu déjà le tarif de base hein. Du jeu, quoi. Tout à fait. Ça me. M'impressionnait. Entre nous. J'ai envie de m'avoir la tornade. Ça l'a fait monter si je fais ça. Juste attendre suffit. Hein. Ouais. Coria, je sais même pas si sur la version que j'ai ça. Du coup, bon, on verra. Après, je suis pas fan des trucs où
ils te mettent un contenu sur le jeu qui arrive genre plusieurs mois après. Tu vois, par exemple, j'ai grave adoré Dying Light 2 l'an dernier, contre toute attente. Il y a eu des contenus après, mais ça arrive trop tard. T'es plus dans le jeu, en fait. Enfin, moi, j'ai du mal, en tout cas, à me remettre dedans. Parce qu'entre-temps, on fait plein d'autres trucs. Et du coup, par exemple, cet été, imagine, on revient. Je vais être plus dedans. On va faire pareil sur Elden Ring, sur des trucs comme ça. Ok. On fera l'effort, hein, bien entendu. Hey oh. C'est un peu galère. Je suis là. Les petits jeux, c'est terminé. Bats-toi. Étrange. Eh oh! Elle est morte? Oh. Au moins, nous n'aurons pas à l'affronter. Tant mieux. C'est juste une sale blague ou quoi? Tous ses efforts pour entretenir ses illusions lui ont peut-être été fatales. Vous m'étonnerez, ouais. Allez, je te fais pas de dessin. Elle y croit trop. Hey, qu'est-ce que t'attends? Sinta nous attend. Hey, t'arrêtes tes conneries et tu t'y mets? Désolé, frère, mais nos chemins se séparent ici. C'est encore une illusion, mais c'est ouf. Trop joli, les petits oiseaux. Ne m'appelle pas Crave. What? Ça y est, je comprends. Déjà, il était temps. En fait, il a guidé pour ça. Je veux te l'entendre dire, je t'en prie. Elle parlait pas du tout de moi. Dis-le, vas-y. C'est toi? C'est toi, le démon? Oh oui, enfin. Les Tantas n'avaient pas peur de toi, frère. Mais de ce que tu portais en toi. Oui, moi. Je te remercie de ton aide. Tu m'as rendu ma splendeur d'antan. Tu m'as non seulement aidé à vaincre mes geôlières, mais aussi à accomplir mon destin. Ton destin? La vengeance. Pour réparer un crime impardonnable. Pensais-tu que les Riddick s'en iraient mourir dans leur coin après ce que les Tantas ont fait? Oh non. Avec moi, ils tiennent leur vengeance. La fin de tout. La fin des Tantas. La fin d'Atia. Il s'appelle Susurrus. Maintenant, si tu voulais bien te donner la peine de mourir pour que je puisse semer le chaos et tout ce qui s'ensuit, j'ai 21 années de retard. C'est pas vrai. Tes pouvoirs. Ce n'était pas les tiens. Sans moi, tu n'es rien. Oh là là. Salut Savage. Savage qui a dit j'arrive au meilleur moment de spoil. Tu m'étonnes. La seule chose à faire, fuir. Merde. Merde. De quel côté? Petit égoïste. Ingrat. Aïe, on va déjà se penser mal. Quelques bonnes actions.
Non mais c'est derrière lui aussi. Moi j'aimerais juste m'en aller, monsieur. Oh, tu croyais que nous étions en train de devenir les meilleurs amis du monde. J'espère que cette petite farce ne te rendra pas encore plus méfiante envers les autres. Attends, peut-être l'autre... Ferme ta grande gueule. Ferme ta grande gueule, Kaya dit. Attendez, parce que l'autre, du coup... Elle est peut-être pas vraiment morte. Ce que tu as été incapable de faire, de tuer. Il faut que je sorte d'ici. Fuis, frère. Tu as une magie en toi. Mais oui, 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 il y avait magie de frère. La loi fuit tes responsabilités. Fuis. Alors attendez, parce que cet épisode, je voulais l'appeler d'une façon, mais ça va changer. On s'est bien amusé, frère, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Genre le dragon, c'est mon pote depuis le début. Maman essaie de sauver sa petite fille. Maman ? C'est un merde. Sinta ? Eh ben... Lève-toi, fille de Sinta. On se doutait qu'elle venait de cet endroit-là, savait-je, et qu'il y avait sa mère quelque part. Mais pas que c'était un dragon. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme titre ? Essaye de me trouver une idée. Quoi ça? Attends, je prends là. De la magie à l'infini là. C'est un dragon du coup. Je pense que c'est un pouvoir. Sinon c'est compliqué quand même. Faut que je mette un petit hypon, genre... truc inattendu, tu vois. Genre twist, c'était pas mal. Double twist, point d'exclamation, c'est pas mal, hein, comme... vous savez, j'y l'ai mis, là. Mais est-ce que les gens vont comprendre? Ah mais non, ça spoil. Pas qu'on spoil dans le titre, faut qu'on donne envie sans spoiler. Où je suis? Tu es à Svargana, le puits aux âmes. Là où réside le savoir et l'histoire d'Atia, ainsi que les âmes d'Atanta depuis longtemps disparues. Tu dois connaître la vérité. Après tout,
Cinta t'a amené ici pour cela. Je vais mettre que de rebondissements, c'est bien ça. Point d'exclamation. La vérité. Quelle vérité ? Il y a longtemps, les Atiens entrèrent en guerre avec les Riddig, un peuple venu d'une contrée voisine de la nôtre. Stylé, on peint, nous l'avons emporté. Mais cette victoire fut vaine. Elle doit parler de la défaite des Riddig. Et Krav a un rapport avec ça. Ah ouais, toi tu as deviné Arsenic ? Ah non, franchement, Krav, je le trouvais sympa, tu vois. C'est marrant pour le coup, je l'ai pas... Autant, dès le début du jeu, quand elle était abandonnée, et pouf, elle a pris le bracelet, j'ai dit, bon, bah sa mère, elle vient de là-bas, quoi. Ouais, je me suis YouTube Savage, c'est mon 6ème épisode, celui-là. Autant la trahison du bracelet, franchement, absolument pas. Peut-être par le côté, tu vois, ça m'est pas venu à l'esprit par le côté insignifiant, il avait pas de pouvoir possible, tu vois, donc j'y ai pas pensé. Des profondes. Les ressources diminuaient. J'ai eu beau promulguer de nouvelles lois pour limiter les dégâts. Rien n'y fit. Donc, Atia a bien gagné la guerre, mais l'a payé très cher. Chacune de nous voulait régler le problème d'une manière différente. Nous avions beau nous connaître parfaitement, un fossé se creusa malgré tout. J'ai vraiment cherché par tous les moyens à réduire ce fossé. Elles n'ont pas réussi à s'entendre, même après ça. Ça craint. Trop bien en tout cas. Vous avez vu les méduses autour? Nous étions trop distraites par nos différends pour nous apercevoir que les Riddig nous défiaient une dernière fois. Ils envoyèrent un être maléfique, une horreur au pouvoir sans limite et dénuée de toute pitié. Susurrus, avec effort, nous avons enfermé cette horreur. Cette bataille remportée, une autre débuta. Le démon vivait toujours, à l'intérieur de chacune de nous. Nous narguant, nous poussant à la folie. Prête à tout pour limiter sa puissance, nous décidâmes de nous éloigner les unes des autres. Sans notre raison, nous n'étions plus les protectrices de notre peuple. Au lieu de ça, nous étions une menace. C'est ma faute s'il est libre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ira bien. T'as merdé, frère. C'est bien de ces mots, fille de Cinta. Tout ira bien. Tu as réussi à nous arrêter avant qu'Atia soit complètement détruite. Tu n'as rien à te reprocher. Nous sommes reconnaissantes pour ce que tu as fait. Le démon a empoisonné notre esprit, et la terre avec lui. Susurrus ne renoncera pas avant d'avoir totalement détruit Atia. Il revient à présent avec une nouvelle cible, Sipal, le dernier bastion d'humanité et d'espoir à Atia. C'est à toi qu'il revient de protéger notre peuple. Personne d'autre ne peut répondre à l'appel. Je peux pas. Je le regrette, mais je n'ai aucun pouvoir. Ils étaient à lui. Pendant un moment, j'ai vraiment cru être une héroïne. Que je pouvais enfin me défendre. Mais non. Encore une fois, alors que j'essaie de faire le bien, on me met des bâtons dans les roues. Je croyais que les choses seraient différentes ici. Mais regardez-moi. Je suis rien. Je suis pas votre dernier espoir.
Je suis personne. Attends de t'apitoyer sur ton tu sort, là. Tu ne vois pas le pouvoir que tu portes en toi. Hein? Mais de quoi vous parlez? Viens, mon enfant. Il y a d'autres choses à savoir. Qui sait, grâce à elle, tu pourrais enfin connaître ta valeur. Elles me font grave penser au peuple super qu'on croise dans Assassin's Creed, des espèces de divinités. Mais du coup, c'est ça, parce que moi, je l'ai pas trouvé désagréable. Mais effectivement, si tu l'as trouvé désagréable, je n'ai pas été assez attentive à ça. Et au début, j'ai pas du tout été très attentive parce que j'étais déjà prise par le fait de juger le jeu. C'est une Targaryen, bah ouais, ouais. Et jolie, frère. Ouvre ton cœur, qu'a dit Sakura. Même à mes heures les plus sombres, Alfred. Je t'ai toujours porté dans mon cœur. Alfred. 21 longues années. Il est temps que tu connaisses la vérité sur la chute d'Atia. Sur ta naissance. La vérité sur ton pouvoir. Et sur le choix qui t'attend. Et puis, bande de dieux. On est au début. Hein? Mais c'est le château de Juno. Mm-hmm. Où suis-je encore, Asvargana? Quoi, ça? C'est vrai, Robiane. J'attends un enfant. Oh, Tanta Cinta. Quelle merveilleuse nouvelle. Je savais que vous partageriez mon enthousiasme. Malheureusement, beaucoup interpréteront cette bénédiction comme un manquement de ma part. Un enfant est toujours une bénédiction, Tanta Cinta. Les enfants sont l'espoir commun qui unit tous les mondes. Jamais je n'aurais imaginé toute la joie que m'a apporté ma petite Odène. Merci, mon ami. Je sais déjà le nom que je lui donnerai. Alfred. Cela veut dire espoir. Et c'est ce qu'elle sera. Une lumière pour guider Atia. Un espoir né de deux mondes, afin qu'elle puisse unifier le nôtre. Puisse-t-il en être ainsi, Tanta Cinta? Puisse votre enfant être la messagère d'un âge d'or à venir? Elle était heureuse? Elle me désirait? C'est vraiment ce qui s'est passé? Vas-y, je te suis. Ok. En fait, je sais pas quand est-ce que je fais la coupure d'épisode, mais je vais attendre qu'on ait fini un petit peu l'histoire, là. On est d'accord. Si je vous fais une coupure là, ça va abuser. Tanta Cinta sourit, elle a un grand sourire. Elle est occupée. Cesse de l'ennuyer, veux-tu? Assez, Jinesh. Non mais Jinesh, ça a été... Viens, ma petite. Depuis le début, hein. Dis-lui bonjour, si tu veux. Bonjour là-dedans. Je suis pressée de te rencontrer. Et ça arrivera vite, tu sais. Tu seras d'accord pour jouer avec le bébé? Bien sûr. J'ai vraiment hâte. Oh, Odène était trop mignonne. Ça fait bizarre de voir Atia si paisible. La musique est épique. Ouais, non, comme je disais, moi je...
J'ai jamais pleuré pour un jeu. Failli. J'ai failli sur... Mince. Un jeu indé avec un vieux monsieur. J'ai oublié le nom. J'oublie à chaque fois. Combien de temps de jeu je suis là? Waouh, c'est compliqué de dire, attends, je vais essayer de réfléchir. 25. 25 heures. Léo, les jeux me font pas pleurer. Mais comme je disais, les films, c'est beaucoup parfois. Une grande ville dans un monde très loin du nôtre. Et pourtant accessible en un instant grâce au Dorana. Le père de votre enfant est-il réellement originaire d'un tel endroit? C'était incroyable, Robian. Et si différent d'Atia. Il y avait partout des lumières éblouissantes et tellement de gens. Tant de chaos et pourtant... de beauté. Je n'ai jamais vu d'invention pareille. Incroyable. Papa, je trouve ça très bon. Ça, ma chère Oden, c'est un cliché. Le temps passé là-bas n'a fait que renforcer ma conviction. Mmh. Atia doit embrasser la nouveauté. Il nous faut évoluer. C'est cela qui nous donnera la force. Nous devons définitivement laisser derrière nous cette époque de guerre mesquine. J'ai vu ce que l'on réalisait dans ce monde. Et mon enfant fera advenir ce monde-là. Elle sera notre espoir. Alors Cinta est allée à New York, comme je suis arrivée à Atia. Et elle y a rencontré mon père. Mais qui était-ce? Je suis en train de chercher le jeu que je voulais vous dire, mais je le retrouve plus. Stan. Peut-être parce que t'es en stream. Non, c'est juste que je suis plus détachée sur un jeu. Tu entends, Alfred? C'est ton père qui m'a fait connaître cette chanson. Et je l'ai apprise pour pouvoir te la chanter un jour. Tu auras tant de belles choses à voir et à entendre quand tu arriveras dans ce monde. Et un jour, tu connaîtras ton père. C'est un héros dans tous les sens du terme. Pardon, Al. Tu mérites de savoir que tu as une fille. Notre chère et précieuse Alfred. J'ai tellement hâte que tu la rencontres. Al. Mon père s'appelait Al. C'est quand même pas pour ça que je porte ce prénom. Il se passe quoi? Je me sens comme une chaleur. Ah, ça tombe bien, c'est ceux que j'ai augmenté au max. Ça tombe quand même vachement bien. J'ai bien fait de faire ça. Alfred, ma bien-aimée, mon espoir. Tu possèdes un grand pouvoir. Il te suffit de regarder en toi. Regarder en moi? Mais comment? Ouais, bah, par défaut, il est cool. Après, de toute façon, c'est comme dans tout action RPG. Selon si t'explores ou pas, là, tu vois, j'ai amélioré tous mes sorts, justement. Ce qui me permet d'avoir des augmentations de dégâts et de magie. Quoi qu'il arrive, c'est l'idée, c'est qu'après, bah, plus t'as fait les contenus d'exploration de l'open world, plus tu vas être prêt pour les affrontements. Mais ouais, c'était bien, normal. Y'a un petit quick. Oh là.
Allons-y, allons-y. Je n'ai jamais été aussi heureuse que quand je te portais en moi. Aussi pleine d'espoir, si seulement ces jours avaient pu durer éternellement. Je suis à Visoria, hein? Qu'est-ce que Cinta va me montrer? Ah non. C'est bien fait en tout cas ce passage, hein. Il y a vraiment beaucoup de trucs et tout. La musique est folle. Par contre, moi j'avais tellement pas deviné pour le bracelet. Je me sens bête du coup. Mais bon, je suis pas la seule qui avait pas deviné, hein. On est d'accord sur le chat. Il y a que moi qui suis un bisounours et qui avait rien compris. Attention, Super Metroid, toi qui vas jouer au jeu, c'est bizarre de dire ça alors que je stream, mais tu devrais pas regarder le live. Ça spoil de fou là où on en est. Non, pas deviné. Je m'en doutais pas. Bon, vous me rassurez. Mais vraiment, tu devrais partir, Super Metroid. Je... Susurrus. Le démon que la première Tanta avait maîtrisé. Mais comment? Comment a-t-il échappé à ses liens? Notre seule certitude est qu'il sèmera un chaos absolu. Nous devons sans tarder l'emprisonner à nouveau. Je crains qu'un long et sanglant combat nous attende. Ton enfant pourrait ne pas sortir indemne de cette bataille. Rien ne m'arrêtera s'il faut protéger mon enfant. Et je ne permettrai pas non plus qu'on s'en prenne à mon peuple. Carrément, tu nous diras ce que t'en as pensé. Cinta, permets-moi de te parler non en tant que Tanta, mais en tant que personne. Je suis heureuse pour toi, vraiment je le suis. Alors, remets. N'aie crainte, Olas. Je ne risquerai sûrement pas ma vie sans une bonne raison. Je dois penser à mon enfant. Waouh. Non mais après, c'est un conseil, hein. On a accumulé beaucoup de... c'est bien. Oh. Ok. Ah mais toi tu dois savoir répondre à ma question, Ingris. C'est quoi le jeu avec le vieux monsieur? Il fait un voyage, il revit un peu divers événements de sa vie, et puis à la fin il rejoint sa femme qui est en statut de sel et son fils qui est en statut de sel. C'est quoi le jeu?
C'est terrible cette propension que j'ai à oublier tous les noms. Vraiment, j'oublie les noms. Pourtant, j'oublie pas vos pseudos, ça c'est marrant. Ça n'a rien à voir. Bizarre. C'est tout l'inverse pour les pseudos. Je crains que Susurrus ne dévaste aussi cet endroit. Quoi qu'il arrive à ce lieu, le pouvoir de vos lanternes garantira que les enfants pourront toujours continuer à étudier. Nous devons fuir, mais où que nous allions, je sais que vous ne permettrez pas que s'éteigne la flamme de l'avenir d'Atia. Tanta Olas, qu'est-ce que vous allez nous apprendre aujourd'hui? Je crains qu'il n'y ait pas de leçon aujourd'hui. Suivez les instructions de vos professeurs et préparez-vous à évacuer. D'accord. Mais promettez que vous nous apprendrez plein de choses la prochaine fois. Tais-toi, Eve. Je n'y manquerai pas. Après tout, vous tenez bien entre vos mains le futur. Olas devait avoir sa propre vision. Les Tanta étaient des personnes bien avant que Susurrus vienne tout détruire. J'ai appuyé sur B deux fois, j'ai pas fait exprès, excuse-moi. T'as intérêt à avoir du temps hein, quand tu... Du coup, tu pars pour la fin, là. La bagarre, la bagarre? Pas la bagarre? Si, la bagarre, je pense, après. Ce n'est pas fini, Tanta! Je suis votre destin! Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que je vois? L'instant où nous avons enfermé le démon, nous espérions qu'en divisant sa malveillance entre nous quatre, nous arriverions à le contenir. Hélas, ce ne fut pas le cas. Alfrey, tu es la fille d'une Tanta. Tu as le pouvoir d'une Tanta. Il te suffit de le libérer. Oula, oula. Ouais. Libère ton pouvoir, Alfred. Oula. Pour ta valeur, sois digne de ton nom. Ah ouais, il a bien fait. Ah. T'es prêt? Voilà. Lumière. Olas? De quoi Olas? C'est quoi ces sorts? Attendez. Produit projectif, lumière magique. Gna gna gna. Tire des faisceaux de lumière, ok. Oh, tempête, ça a l'air pas mal. Ok. Un double illusoire, ça c'est pratique. Ok. Et B. Je te l'avais dit, ce pouvoir est au fond de toi. Je peux le sentir. Ah, tu pensais que j'allais me transformer en dragon? Non, quand même pas. Ok. On a déjà l'illusion, ok. Ok, ok. Marrant ça. Allez. Je suis pas le 100%. Oui, oui.
Mais j'avoue que ça fait beaucoup. Hein. Mais ouais, ouais. On essaye tout ça là? Vas-y, la Vico. Attends, c'était quoi distorsion? Comme ça, la force. Ok, c'est le truc qui guérit lentement. Ok. Ça, c'est pour faire mon double. Non? C'était pas le double ça? Si. Ah, c'était là, lui. On garde. Oh, c'est pas mal. Et donc, c'est celui-là que je vais vous monter, hein. Je crois que c'est lui que je vais vous monter. Ouais. Mais écoutez... Ça veut pas dire qu'il faut pas commencer par ça, hein. Hop. Quelle aventure! Épisode trop long, par contre. C'est pas grave. Épisode intéressant. Du coup, ça vaut. Ses pouvoirs partagés entre les quatre bracelets, la créature était domptée. Du moins pendant un temps. Grâce à toi, j'ai trouvé la force de résister plus longtemps que les autres. Cette fois, on est à Avoalet. Bon, qu'est-ce qui m'attend ? C'est sûrement là que je vais. Allez, voyons ce que tu dois me montrer. Je vais me demander là, du coup. Peut-être ce serait pas mal de faire un cut ici, quand même. Parce que sinon, si on est parti... Imaginez, on finish au bout de ça. Il y a crabe. On sait pas. Donc je pense que c'est pas mal. On enchaîne direct, hein, le live. Mais du coup, ouais. Enfin, je peux faire plus de minutes. Je pense qu'on va faire comme ça, parce que... Je sais pas pourquoi en même temps il en reste là. Donc, je pense qu'elle va tout récupérer. Ouais, je pense qu'elle va tout récupérer petit à petit.